C'est un passionné, un discret, mais c'est devenu l'entraîneur phare de la natation française. Essayez de créer une inertie et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de vitesse pour que vous puissiez enchaîner. Depuis Londres 2012, ces athlètes ont effectivement enchaîné les succès. 9 médailles olympiques, des tas de titres, Agnel, Muffa, Lefer bien sûr, une génération et puis une autre. Charlotte Bonnet et Jérémy Desplanches, deux jeunes champions d'Europe cet été en nage libre ou en quatre nages, ils expliquent pourquoi Fabrice Pellerin les galvanise. C'est quelqu'un qui se met à 200% dans ce qu'il aime, donc dans la natation. Il consacre beaucoup de temps en dehors de l'eau pour nous expliquer les choses et pour préparer les entraînements. Donc je pense que c'est quelqu'un de très impliqué. Il m'a appris à devenir un professionnel dans ce que je fais, à être sérieux, consistant. Pas consistant, c'est vraiment un maître mot chez lui. Il faut s'entraîner tous les jours de la même rigueur pour arriver à quelque chose. Et je pense que c'est une des valeurs les plus importantes qu'il m'a transmises. À vos marques. Hop. Mais la méthode Pellerin, c'est aussi du ludique. Sans arrêt, inventer des exercices nouveaux pour que les athlètes ne soient pas abrutis par les longueurs de bassin. On peut performer et découvrir de nouvelles sensations. Je n'aime pas le discours selon lequel on s'est bien entraîné quand on a bien souffert. C'est vrai que dans notre sport, on l'entend souvent. Moi, je pense qu'on s'est bien entraîné quand on a appris quelque chose. Donc, j'aime bien entendre quand les nageurs sortent de l'eau, discutent dans le vestiaire, le fait qu'ils ont appris quelque chose de nouveau dans la séance. Voilà. Depuis quelques semaines, d'autres vedettes des bassins français ont quitté leur coach pour venir s'entraîner à Nice. Jordan Potin d'abord, puis Jérémy Stravius, ex-champion du monde et olympique en dos et en relais. Il veut que Fabrice Pellerin l'emmène encore plus loin. Moi j'attends qu'il m'amène jusqu'au jeu et être performant au jeu. Tout simplement, donc je pense qu'on a des objectifs communs avec Charlotte, avec Jordan, avec Jérémy. Donc ça va être très intéressant de se suivre là pendant 2 ans. Derrière le timide qui marche se cache un sensible. Fabrice entraîne Nice depuis 20 ans. La mort de Camille Muffa l'a marqué. Les médailles, les titres l'ont ému. Je vais vous faire une vague, attention. Mais sa motivation reste intacte. Prochain objectif, les championnats de France 2019, puis les championnats du monde en Corée du Sud.